Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour continuer la confection de ce mini art journal ensemble. Dans la première vidéo, nous avions fait toutes les petites pages, nous l'avions reliée et aujourd'hui je vais vous montrer trois pages. Parce que sinon ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue. Trois pages, je vais vous montrer comment je les ai créées tout simplement. Alors, je voulais que cette petite série de vidéos soit accessible au plus grand nombre. Du coup, je vais essentiellement travailler avec des images de magazines. Parce que je pense qu'au final, tout le monde a plus ou moins des images alors de magazines, de livres d'enfants, bref, de choses que l'on récolte de ci, de là. Vous pourriez aussi très bien, par exemple, utiliser des stickers ou même des tamponnages. Bref, ici, je suis restée sur les images de magazines. Et puis également avec des mots, des phrases, des citations, idem de magazine. Alors vous avez peut-être remarqué dans l'introduction, j'ai des petites boîtes et puis je viens mettre de côté toutes les images, tout ce qui résonne en moi. Et quand j'ai des petites créations à faire comme là par exemple, ou par exemple pour mon Daily Junk Journal, j'ai juste à feuilleter dans mes petites boîtes et à mettre de côté les images qui m'inspirent. Voilà en gros. Donc pour cette première page, j'ai sélectionné cette jolie fleur dorée. Je vais venir la travailler un petit peu. Alors encore une fois, ce mini art journal, je voulais le faire sur une journée. Voilà, donc je vais passer finalement très peu de temps sur chacune des pages, mais bien sûr, c'est juste une proposition. Le art journal est là en fait pour exprimer des sentiments, pour faire en sorte que l'on se sente mieux après. Donc, si pour vous, vous avez besoin de passer plusieurs heures sur une seule page, rajouter plus de détails, peaufiner la décoration, si c'est l'envie du moment, c'est OK. Si, à contrario, vous n'avez juste besoin que de mettre une image et un mot pour que ça vous fasse du bien et que l'effet soit là, c'est OK aussi. Il n'y a pas de règle dans le art journal, sauf de se faire du bien en fait. Donc là, je vous montre ce que j'ai réalisé dans ce mini art journal, mais vous savez que j'ai un autre art journal en cours. Et là, par contre, c'est des pages où je passe beaucoup plus de temps de création. Donc voilà, je voulais simplement vous montrer que avec très peu de matériel, à la portée de tous, tout le monde peut créer un petit art journal. Voilà. Donc j'hésite pas, je viens rajouter des détails, même si mes fonds sont déjà assez bien travaillés, vous l'avez vu dans la première vidéo. Si j'ai besoin de venir rajouter de l'acrylique, des tamponnages ou même de l'embossage à chaud, je le fais, je n'hésite pas. Le tout étant encore une fois de faire des pages qui nous font du bien. Donc voilà pour la première. Maintenant, je m'attaque à la deuxième. Donc là, vous voyez par exemple, c'est juste un bord, un rebord d'une image, elle n'est même pas entière, mais voilà, c'est ce qui me parlait sur l'instant. Donc comme d'habitude, comme je travaille très souvent comme ça quand je fais du collage, je fais une grande sélection de ce qui me touche, de ce qui m'inspire, de ce qui me parle. Mais c'est pas parce que j'ai tout plein d'images et tout plein de mots et de phrases que tout
va aller dans mon art journal. Par exemple, je vois là l'image avec cette silhouette et ce coucher de soleil que j'aime beaucoup. Et ben, je l'ai pas intégré tout simplement parce que quand je mettais cette image sur une page, et ben, ça matchait pas. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de sélectionner beaucoup d'images et de venir les essayer, en fait, les mettre sur les pages pour voir si ça résonne. Puisque de toute façon, une image toute seule aura une autre énergie, aura une autre résonance que lorsque vous viendrez la coller sur votre page, en fait. Donc voilà, je viens rajouter des petits tamponnages. Et puis je passe déjà à la troisième. Alors là, par exemple, j'avais ces deux silhouettes de jeunes femmes qui me parlaient, toutes les deux. Mais c'est finalement celle de droite, lorsque je l'ai posée sur ma page, qui exprimait mieux le sentiment que j'avais à ce moment-là de la confection de ce mini-art journal. Donc je vous l'ai dit, vous pouvez très bien remplacer les images par des tamponnages, par des stickers, vraiment par ce qui vous inspire, faire des thèmes complètement différents, faire ce dont vous avez besoin au moment où vous faites votre art journal. Là, la phrase était beaucoup trop grande, donc je n'hésite pas à venir la découper pour qu'elle rentre sur ma page. Et je n'hésite pas non plus à venir retravailler l'image si j'en ai besoin. Et j'utilise de la colle bâton. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour le collage des images. Donc cette page est bientôt terminée. Alors à la manière de tous mes art journaux, j'ai du mal à... Voilà, il faut toujours que je souligne les phrases, les textes. Avec mon stylo noir, voilà, je trouve que ça fait ressortir du fond les écrits. Hors caméra, vous verrez à la fin que j'ai rajouté quelques petits détails que vous ne verrez pas tout de suite à la vidéo. Vous voyez, je rajoute des tamponnages avec une encre de chez Action couleur or. Je trouvais que ça ressortait pas assez, du coup je viens rajouter de l'embossage à chaud. Voilà, je fais vraiment page par page et je rajoute ce que j'ai envie de rajouter sur le moment, en tout cas avec l'énergie qui se dégage de la page. Voilà, je rajoute du doré pour que ça brille. Et pour le moment, j'estime que cette page est finie. Et puis sur celle-ci, ce sera la seule page, vous verrez, où je vais coller. C'est un embellissement que j'ai fait. Sinon, tout le reste est fait avec des images de magazine. Et puis tout simplement, alors celle-ci a été très très rapide. Un petit embellissement, une phrase qui résonnait beaucoup à ce moment-là. Donc je vais venir simplement la coller et puis je vais venir rajouter quelques tamponnages de fond. J'adore les tamponnages de fond sur mes deux pages et puis elle sera terminée. Je vous retrouve tout de suite. Je vais vous faire un petit tour de ce mini pour vous montrer toutes les pages terminées. Et puis voilà. Allez, à tout de suite. Thank you.
Voilà, je vous retrouve donc pour vous montrer le petit art journal terminé. Vous voyez, il n'est pas très très épais, mais quand même, j'ai pas résisté à mettre un petit peu d'épaisseur, d'où l'intérêt de bien laisser voilà, de l'espace au niveau de la reliure. Donc, je vous montre un peu ce que j'ai fait. Donc, pour la couverture, j'ai rajouté une petite fleur en tissu avec un titre. Je trouvais voilà que c'était le titre qui correspondait le plus à ce petit art journal, en tout cas à ce que m'évoque ce petit art journal. La première page. Voilà. Dans le style un peu poétique. C'est cet embossage à chaud, voilà, qui m'a inspiré cette page. La deuxième. Laissons nos cœurs s'enchanter au quotidien. Voilà. Toujours des images de magazines. J'ai rajouté des strass. Il y a pas mal, il y a un peu de doré. Celle-ci que j'aime beaucoup. Nous sommes tous interconnectés en regardant bien l'autre. Vous vous voyez. J'ai repris un petit peu l'image avec mes Néocolor 2. J'ai rajouté des petits tamponnages de fond. Il y a aussi, elle brille un peu, il y a aussi un peu de doré. Celle-ci que j'aime beaucoup aussi. J'ai rajouté un petit strass. Ici, ce sera la seule page où j'ai utilisé un embellissement que j'ai fait. Sinon, il n'y a que des images de magazine. Tout ne s'explique pas, mais tout a un sens. Celle-ci que j'aime aussi beaucoup, avec Ganesh. L'avant-dernière, paix intérieure, avec de l'embossage à chaud que j'ai rajouté. Et puis, la dernière, trouver sa fluidité. Voilà. Avec de simples images de magazines et puis des mots, voilà, ou des citations qui nous inspirent. On arrive à faire un petit art journal assez rapidement qui nous fait du bien. C'était le but de ce petit art journal. Je vous retrouverai donc pour une troisième vidéo. Je vais lui faire une petite boîte pour le mettre à l'intérieur. Ce sera l'objet de la vidéo qui arrivera d'ici quelques jours. Vous verrez une petite boîte toute simple que l'on peut décliner selon la taille de son projet. Alors pas que pour mettre un journal, on peut y mettre des cartes. Bref, je vous expliquerai tout ça. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura inspiré, vous aura montré que n'importe qui peut créer un art journal pour se faire du bien avec très peu de matériel. Tout ce que j'ai utilisé peut être remplacé sans aucun souci. Voilà, les images, ça peut être des images de magazines diverses et variées. Vous pouvez faire un art journal spécial nature, spécial croyance, spiritualité, un peu comme j'ai fait. Enfin, voilà, vous pouvez vraiment moduler selon ce que vous avez besoin au moment où vous créez votre art journal. Voilà. J'espère vraiment que cela vous aura inspiré, vous aura donné envie d'en créer un. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à me les poser en barre des commentaires. J'y réponds toujours avec grand plaisir. Merci beaucoup si vous êtes arrivé jusqu'ici. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Allez, ciao!